Sur ce mur de la maison des artistes, nous avons installé notre petit musée des arts du cirque. Laissez-nous vous raconter cette fabuleuse histoire. En Chine et en Égypte, on trouve des dessins vieux de 2 à 6500 ans, montrant des acrobates, jongleurs et dresseurs d'animaux. Toujours dans l'Antiquité, à Rome, le célèbre Circus Maximus peut accueillir jusqu'à 375 000 spectateurs. Du 5e au 15e siècle, c'est le Moyen Âge. Des saltimbanques parcourent les foires de village en village. Devant lui, les sauvages grises, par les villages sans église, et les enfants suivent devant, faisant signe en rêvant. Non, c'est le singe, amie-moi singe, quatre des sous sur leur passage. 1750, en Angleterre, des cavaliers revenus de la guerre contre Napoléon ouvrent des écoles d'équitation. C'est l'un d'entre eux, le sergent-major Philippe Astley, qui a l'idée de changer la forme du cirque romain en un cercle de 13 mètres de diamètre. Pour pouvoir tenir ses chevaux, depuis le centre de la piste jusqu'au bout de sa chambrière, ni du fouet utilisé par les dresseurs. Ce diamètre deviendra la dimension officielle des pistes de cirque. Et voici Charles Hugues, interprétant Yves Zinger Macaroni et son cheval malicieux. Les spectacles sont alors constitués de voltige à cheval et de dresseurs. Mais à partir de 1768, pantomimes, funambules et acrobates font leur apparition. Danse comique des deux polichinelles. Ces artistes vont parcourir toute l'Europe et jouer devant les rois. Au début du 19e, apparaissent les premiers cirques en dur. L'architecte Lejean construit le cirque des Champs-Élysées, puis le cirque Napoléon, qui deviendra le célèbre cirque d'hiver. En Europe commence alors la période du cirque d'or. De nouveaux agrès apparaissent qui feront la noblesse du cirque traditionnel. Le trapèze est inventé par le colonel Amoros en 1834. Dix ans plus tard, à Berlin, Tom Belling devient le premier clown auguste. En Amérique, le chemin de fer apporte une nouvelle révolution. Les cirques peuvent maintenant voyager dans tous les continents. Des entrepreneurs comme Barnum créent des spectacles dans d'immenses chapiteaux qui sont dressés grâce à l'aide d'éléphants. Mais je vois qu'il ne nous reste que 30 secondes pour vous raconter la suite de l'aventure. Nous n'aurons donc pas le temps de vous parler. Ni de ça, ni de ça, ni de lui, ni d'elle, ni d'elle, ni de lui, ni de ça, ni de lui. Il faudra un autre épisode. Et pourtant, j'ai parlé vite, hein.